Ma, la famille, j'entends que quoi sur les réseaux sociaux, ta? Hey! Vous connaissez que depuis que Sophia est sortie, comme homme, il veut toujours mourir avec moi. J'ai dit non. C'est pour cela qu'il a dit non, il ne s'occupe pas de son enfant et tout et tout. Depuis un certain temps, il ne donne pas la ration de l'enfant et tout. Même la maison qu'on devait lui, il a refusé et tout et tout. Donc, vous tous, vous connaissez l'histoire, comme elle était venue sur les réseaux sociaux, dit que Davido, c'est ci, Davido, c'est là. Depuis le moment-là, moi-même, je n'allais pas trop sur sa page parce que moi, j'étais concentrée dans les autres Congossa. Mais avant-hier, j'ai un peu fait un tour sur la page. Je me suis dit, mais Sophia est que où? Elle est que où depuis, maman? Hey! Donc, la dernière photo qu'elle a mise là-bas sur sa page, c'était le 10 juin. Et nous sommes déjà vers fin juin. Elle n'a pas mis une photo. Moi, j'ai commencé à me poser la question que, mais Sophia Mohamed est partie, elle est partie où? Est-ce que c'est seulement affaire de Bibi Mamala qui a rendu Sophia malade ou c'est comment? Voilà alors comment les Miss Congo, ça qui sont même plus professionnelles que Josie, les bas grands blogueurs nigériens, ils sont allés jusqu'à dire comment, oh, depuis le moment-là, Sophia fait comme si elle part. Que Sophia est devenue, mais qu'elle, là où Sophia est là, jusqu'à certaines personnes disent qu'on l'a amenée dans, là où on avait amené notre tata Coco, là, c'est où? J'ai oublié. Les gens disent qu'on a amené Sophia là-bas. Donc, apparemment, elle avait un peu trop de stress et tout, maman. Moi-même, je disais que, mais Sophia est que où depuis? C'est toujours l'affaire des bébés mamans qui sont sortis là, hein, qui a rendu Sophia malade ou c'est comment? On sort maintenant dit que voilà, Sophia même en personne, elle était tellement que le stress, est maman. Qu'elle entrait dans la dépré-pré, maman. C'est que David ne peut pas faire, n'existe pas. Vous voyez l'argent, vous voyez, même Trump n'en est même pas exclu. Parce que là où elle est là-bas, là maintenant, c'est parce qu'elle est la femme de Davido, où elle roule de l'argent, où elle fait quoi. Je sais que c'est ma préférée, mais disons-nous la vérité vivante. Quand Trump est là-bas avec tout le luxe et tout, si Davido commence à faire comme il fait à Sofia là, vous pensez que Trump serait aussi comment, maman? Les choses. Et vous connaissez que notre tata préférée, Sofia, c'est quelqu'un qui est rapide. Je sais pas si c'est elle qui a écrit, oh, ou c'est ces gens qui ont écrit, oh. Voilà la nouvelle qui commence à circuler partout sur les réseaux sociaux que, oh, apparemment, Sophia est dans un centre de, où c'est réhabilitation, c'est quoi qu'on appelle, oh, oh c'est là où elle était la dépré-pré, les derniers moments-ci et tout. Voilà notre tata préférée qui sort alors sur Twitter à mettre un post que j'aimerais traduire pour vous, maman. Elle sort d'abord, elle remercie Dieu pour sa vie. Elle dit qu'elle est un enfant béni. Et à l'heure, s'il a l'argent qui est dans son compte, ou à l'heure, s'il a l'argent à multiplier, elle parle maintenant qu'en dollars. Elle est un enfant béni. Dieu l'a montré la grâce. Dieu l'a tellement béni les derniers temps, là. À l'heure qu'elle vous parle, là, son compte bancaire parle de l'argent et son poids maintenant et quand à chaque fois qu'elle marche là elle regarde le miroir tous les miroirs là quand elle passe là elle se regarde que non sa corpulence maintenant lui plaît jusqu'à que oh, que si vous la voyez maintenant non que sa corpulence de maintenant maman qu'elle a un peu maigri mais c'est ce qu'elle veut. Wow, Josio. Et dit, quand j'ai vu le poste là, non, j'ai dit que, ah, Sophia, tu es rapide. Non, les réseaux sociaux, si là. Et dit, quand elle a entendu que les gens partagent déjà la nouvelle, elle a pris une vitesse pour sortir. Dit comment son compte bancaire parle en dollars, que Dieu l'a tellement béni, que maintenant là, elle est riche, elle peut avoir tout ce qu'elle veut et tout, mais juste qu'elle a un peu maigri et ça la plaît comme cela. Oh, si ses fans la voient maintenant, non, son corps, il lui plaît jusqu'à.
Et en disant que, oh, sa santé mentale, elle remercie beaucoup Dieu parce que non, sans Dieu, elle ne devait pas être où elle est aujourd'hui, que mentalement, elle est bien avec Dieu, elle remercie Dieu, qu'il y a les jours qu'elle se réveille comme cela et elle constate que non, elle n'a pas dit merci à Dieu pour cette journée et pour ce qu'il a fait dans sa vie, pour toutes les bénédictions. Alors, elle parle qu'en dollars, l'argent dans son compte, oh, maman, hey, moi-même, j'ai hâte de vous voir Sophia maintenant, maman. Comme elle nous dit que non, sa corpulence est maintenant là, que c'est top notch, maman. Qu'elle est tellement contente. Vous pouvez lire là-bas pour ceux qui peuvent lire l'anglais. Moi-même, je me suis dit que où c'est parce que les gens ont déjà partagé que voilà, Sophia, elle est quelque part, vu qu'elle entrait déjà dans la dépré-pré-pré. Que où c'est par rapport à cela qu'elle a vite couru pour aller sur Twitter, a dit que voilà, elle est bien, elle a l'argent maintenant, oh, elle remercie son Dieu, elle a l'argent maintenant jusqu'à, elle ne manque de rien, et que son cœur est rempli de gratitude. Et puis, lisez là-bas, non, que la grâce de Dieu dans sa vie, maman, qu'elle continue à dire merci jusqu'à demain. Pour moi, ah, comme je n'ai pas encore vu Sophia, maman, est-ce que ça peut être que ce que les blogueurs sont en train de dire là, c'est la vérité, la famille, hein? Parce que moi-même, quand je suis même encore allée sur sa page pour regarder que réellement ce que les gens se disent sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est ça? On dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Depuis le 10 juin que Sophia a mis cette photo, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a même pas mis une photo d'elle. Et alors, elle sort, alors nous dit comment, oh, mentalement, elle est ceci, oh, sa relation avec Dieu, oh, elle est devenue riche, oh, elle a l'argent, elle ne manque de rien et tout et tout. Est-ce que c'est par rapport à ce qui circule sur les réseaux sociaux qu'elle est vite sortie, écrit ça pour que les gens ne croient pas à ce que les blogueuses, wow, Davido! Ce que tu ne peux pas faire n'existe pas, comme je dis toujours. Ha! Moi, je vous ai toujours dit ici, là. Quand je fais le Congo, ça ici, je lance un petit grain de conseil. Ce n'est pas comme si moi, je suis la grande soeur de Sophia. Ou bien, ce n'est pas comme si moi, je connaissais trop. Non, non, non. Quand quelqu'un te donne le conseil, ne regarde pas le côté là que, ah, celle-ci, c'est ma grande soeur ou pas. Ou bien, celle-ci connaît quoi. Non. Dans la vie, c'est là, non. Une personne ne peut pas tout connaître. Ce qui fait que tu peux prendre un petit conseil chez Josué. Tu pars sur une autre plateforme. Tu prends un petit conseil. Tu vas là-bas, tu prends un petit conseil. Tu vas chez les coachs, tu prends un petit conseil. Tu mélanges tout là maintenant. Tu vois que voilà ce que j'ai un peu plus recueilli qui va m'aider. C'est pas que tu vas me dire que ah, Josie, même elle conseille même qu'elle est même qui non, est-ce qu'elle est même arrivée, est-ce que non, on ne voit pas comme cela. Moi qui donne souvent les conseils ici, même à Sophie, même à Chioma là, c'est pas que je connais trop, c'est juste que voilà ce qui est dans mon cœur présentement, de leur dire que voilà. Je dis toujours, ne mettez pas trop vos cœurs sur les artistes ici là, hein. Les voilà maintenant, vous avez mis vos cœurs, vous avez mis votre. L'eau, voilà maintenant, il ne donne pas la ration. La maison que tu voulais, même l'eau qui coûtait un peu cher, il a refusé. Il a aussi refusé de t'ouvrir ton business cher que tu voulais faire. Maintenant, là, il faut que toi-même, tu bosses pour pouvoir entretenir ta fille et toi-même. Et la vie que tu vivais, tu étais déjà à une vie classique, là. Hein? Comme les Tiwala, les jets privés, les bons vins, les bassessis, les habits. Maintenant, tu vas faire comment? Hey!